Et bien salut tout le monde, c'est PodGamer172, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de TerraCube, la série modée, donc c'est parti. Donc les amis, on va tout simplement retourner au spawn comme on devait le faire. Donc on va faire slash spawn et on va un peu miner dans les mines qui sont meilleures. Vous m'avez dit qu'il y avait deux mondes ressources, tout simplement un ici et un de l'autre côté. Du coup on va essayer de trouver le meilleur et trouver carrément tout simplement les bons minerais et avoir les carrément de la malachite plus directement. On va déjà déposer tout ce qu'on a ici comme minerais, par exemple ça, 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 hop, de la redstone, ça, ça, la malachite, notre épée, et c'est à peu près tout. Après on pourra partir en exploration, voilà, on va juste prendre ça, le nécessaire, et c'est bon. Donc les amis, on va rejoindre tout simplement un abonné sur une faction, du coup c'est parti, on va marquer ici slash TPA accept, du coup comme ceci, et du coup on va être téléporté, regardez, on est téléporté, ok parfait, on est dans une faction avec des abonnés. Alors attendez, ok c'est plutôt pas mal dans sa faction, enfin dans sa base plutôt. Alors ici, petit jardin, c'est mon rez-de-chaussée, c'est vraiment pas mal fait. C'est plutôt pas mal. On peut monter même par ici. Regardez. Ici, donc, on a le stuff en jams et le stuff modé. Là aussi, on peut redescendre. Ok, c'est plutôt nice. C'est plutôt bien fait ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Un désert chaud, un désert froid. Lequel prendra le dessus? Ok. Ok, donc, je dois monter ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, oui, pardon, désolé. Hop. Oh, ok, d'accord. Ah bah ça, c'est parfait. Merci à toi. Parfait, merci à toi. Parfait, merci vraiment. Du coup, nous sommes dans cette faction. Ça, c'est vraiment parfait. Et alors, du coup, bah, on va faire un épisode avec les abonnés. Je vais peut-être leur demander de rejoindre peut-être le Discord. Et qu'on parle peut-être en vocal juste après. On verra ça. Sinon, on va juste rester dans leur base. Et tout simplement les aider. Du coup c'est ce qu'on va faire. Donc voilà les amis, maintenant c'est à nous de faire notre base. Du coup c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement créer une faction. Donc on a les commandes ici, si on fait faction, peut-être F. Ok, pas du tout, slash F, voilà, ouais, donc on a faction. Faction, liste par exemple. Non, ça fonctionne pas. Ok, donc on peut créer une faction avec la commande fcreate, donc c'est ce qu'on va faire. Et on va tout simplement l'appeler fcreate iPod, comme ceci. Et on va mettre YouTube. Et du coup, tu as créé la fonction iPod YouTube. Tu devras faire maintenant fdesk, donc tout simplement pour écrire la description. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va mettre comme truc, c'est tout simplement bienvenue dans la faction. Comme ceci, et du coup on met ça. Tu vas changer la description de ta faction pour bienvenue dans la faction. Du coup c'est parfait, logiquement on peut s'y rendre. On va déjà aller créer notre base. Donc les amis, nous sommes tout simplement sur la map où on va créer notre base, donc c'est parti. J'ai trouvé un endroit, tout simplement je me suis très éloigné, j'ai caché les coordonnées bien évidemment pour pas que vous les voyez, et on va tout simplement créer notre base. J'ai tout simplement créé déjà la faction, donc si je mets un message et je dis dites coucou à YouTube par exemple, donc dites coucou YouTube, etc. Vous voyez que la faction c'est tout simplement iPod YouTube, et du coup c'est parti, vous pouvez la rejoindre, et j'essaierai d'accepter un maximum de personnes sur cette faction. On va tout simplement faire set home déjà pour retrouver la base plus facilement, et on va mettre base 1 comme ceci. Du coup le nom de la base 1 a été créé, et du coup ce qu'on va faire c'est hop, on va descendre, hop, voilà, en profondeur, assez profond. On va aller avec la pioche en bois. Et ce que je vais faire, c'est que pendant quelques minutes, je vais creuser tout simplement un premier endroit, un petit carré tout simplement, où on va déjà poser quelques coffres, quelques stuff tout simplement, notre établi, etc. On ira au spawn et on reviendra ici. On va faire tout ça et je me nourrirai en entendant, etc. Donc voilà, je vous retrouve juste après ça. Donc
Voilà les amis, j'ai fini mon petit chez moi, donc ça va être une petite base comme ceci. On partira un peu de tous les sens, mais on va commencer par ceci. Du coup j'ai mis le home, que quand on arrive directement ici. Donc là ce sera à peu près un coffre principal, on va juste refaire un étage pour que ce soit tout simplement bien centré, vous allez comprendre. Et dans cette vidéo, on va tout simplement faire une, tout simplement la décoration de notre base. Alors hop, on va déjà enlever ça, comme ceci, hop. Hop, voilà. Ici, on va pouvoir fermer comme ceci. Voilà, on n'aura plus besoin. Et ça, ce sera notre base officielle. Donc voilà. Alors, c'est parti. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra, hop, par exemple, un coffre. Voilà, comme ceci. Et on mettra un coffre. Et ce sera les coffres de base avec ici un coffre. Ici, un coffre. Et on fera une décoration tout en bois. Du coup, on peut déjà commencer ça aujourd'hui, tout simplement, avec le bois de chêne noir. C'est parti. Alors, on va en prendre quelques-uns. Hop, comme ceci, on va prendre des escaliers, c'est le plus important. Hop, voilà. Non, qu'est-ce que je fais moi? Ok, comme ceci, voilà. Et du coup, logiquement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ceci. Ici, en bas, on va mettre que, hop, et hop, ici, des bûches. Hop, hop, voilà, bois. Comme ceci, voilà, on va déjà commencer à peu près la déco, et n'hésitez pas à rejoindre la, la faction, donc n'hésitez pas à me demander, tout simplement. Hop, on va prendre ça, on met ça là, voilà, pareil pour en haut, hop, ici, ici on peut enlever, voilà, et ça sera déjà quelque chose d'assez propre, on aura au moins les contours déjà faits, et on va faire pas mal de choses, on va faire ça à peu près partout, on va faire ce style là. Hop, et on ira tout de suite au shop avec le peu de monnaie que j'ai pour tout simplement aller chercher des objets de décoration. Tout à l'heure dans le monde ressources, j'ai trouvé un biome, mais ça, du coup, j'ai quelques terres cuites, etc. Mais du coup, c'est pas suffisant. Hop, on va ranger ça ici. Voilà, ça c'est mieux. Et alors, ici sur les côtés, donc ici, hop, il y aura ça. Ici, il y aura ça. Est-ce qu'on a... Est-ce que j'avais des coffres? Non, je vais me faire des coffres. Avec le bois ici, bien évidemment, allez, ok, je l'ai, hop, on en prend quelques-uns, on se fait un petit coffre, hop, voilà, le coffre, je vais le mettre juste ici, vous voyez qu'on peut pas l'ouvrir, du coup, hop, on va faire ça comme ça, hop, on va augmenter de 1, donc ce sera des plafonds assez grands, mais quelque chose assez beau, hop, hop, voilà, pour tout simplement, donc il y a le tonnerre dehors, pour tout simplement avoir une belle base pour les abonnés et avoir vraiment directement l'entrée. On essaiera de faire une base assez riche, on va voir. Comme vous avez vu, j'étais dans la base d'un abonné, c'était déjà plutôt pas mal. Alors, hop, du coup ici, hop, voilà, ça c'est plutôt bien, on pourra y accéder directement. Ça, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et ici du coup, comme ceci, voilà, voilà, et voilà. Ici, ce sera la séparation. Donc ici, ici, on n'aura pas besoin de ça. Hop. Quoique, peut-être que si. Peut-être que si. Alors, attendez, on va essayer de faire d'autres coffres. On va essayer de faire tout ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va en faire 2 déjà. Comme ceci. Voilà. On va les placer directement. S'il vous plaît, 1, 2. Voilà. Donc là, ça fait un coffre de 2. Du coup, non, ça serait bon. Tout est parfait, le calcul est parfait. Hop, on va juste faire ça. Monter ça, voilà. Même les escaliers, pour le calcul des escaliers, c'est plutôt parfait, voilà. On peut accéder au coffre, et il nous en manque juste un dernier. Du coup c'est parfait, on avait fait assez. Hop, voilà, comme ceci. Du coup, on va essayer de passer derrière pour mettre un du bois. Hop, de chêne noir, tout simplement pour que ce soit déjà plus joli et mieux, et que ce soit plus esthétique d'avoir juste la stone derrière, évidemment. Ça, hop, voilà. On en met un ici, un ici, un ici, et un, non, pas là, juste à côté, juste ici. Voilà, et là, pour le moment, on peut refermer. On fera d'autres choses après, vous voyez que ça donne déjà assez bien, moi, je trouve. Alors, les amis, j'ai cassé un coffre, et dans ce premier coffre ici, on va mettre, par exemple, tous les blocs, comme ceci, que ce soit... pas le bois, mais juste les blocs comme ceci, du genre sable, hop, terre cuite, la pierre non plus, grès, granit, etc. Andésite, on va garder, ça c'est plutôt parfait. Ici, on va mettre tout ce qui est minerai, donc hop, redstone, etc.
charbon, ça c'est plutôt parfait. Ici, on va également casser le coffre, donc parce que quand je prends un item, le coffre se casse automatiquement. Du coup ici, alors on a diamant, malachite, lapis lazuli, charbon, or, voilà, donc là on a plutôt pas mal de choses. Ici, on va mettre tout ce qui est, hop, bah, bois, bien sûr, comment ça s'appelle, la pierre taillée, du coup la cobblestone. Ici, on a encore pas mal de minerais, or, on a, hop, la pierre qui va aller ici. Bon, ici dans les minerais, on va mettre des objets rares, donc comme la l'épée, pardon, en malachite. Ici, on a tout ce qui est armure aussi, également, qu'on peut mettre. On a tout ce qui est, hop, armes, etc. Du coup, je pense qu'on va devoir faire chauffer quelques fers. Vous allez voir pourquoi. Pour tout simplement refaire une pioche, parce que notre pioche est bientôt pétée. Hop, on va prendre quelques charbons. Voilà, et je pense que c'est tout. Et ici, bien sûr, c'est le bois. Hop, et tout ce qui est le reste pour le moment. Voilà, l'andésite, on va en avoir besoin. Vous voyez que le coffre se ferme automatiquement. Ça, on fait cuire. Et du coup, l'andésite, regardez, logiquement, on peut faire voilà, des blocs d'andésite comme ceci. Et on va commencer le sol tout simplement en andésite et avec de la granite. Vous allez voir, ça va être plutôt parfait. Vous allez voir ce que je vais faire. Hop, on va faire un contour en granite. Ok, donc là ma pioche s'est pétée. Alors la granite, on va aussi la prendre et on va faire des blocs. Et j'en avais ici, que j'en avais récupéré, voilà. Et on va faire des blocs comme ceci. Pour faire tout simplement le contour au sol. Voilà, voilà. On attend juste. J'ai une pioche en diamant, mais j'ai pas trop envie de l'utiliser pour le moment. On va casser d'abord la pioche, en bois. Je sais plus du tout parler. Hop, la pioche en bois. Hop, voilà, ici. Ici, et là ce sera une petite salle principale et on va faire des portes qui vont partir sur les côtés, surtout une porte derrière justement. Alors les blocs ils sont ici, hop 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 hop, celui-là on va le casser, hop voilà, et on va récupérer ici et on va faire comme ceci. Et au milieu, vous allez voir, on va faire pareil. Vous allez voir, ça va être assez bien. J'ai pas mal d'idées, donc n'hésitez pas. Je vous ferai une vidéo avec un abonné aussi ou un youtubeur pour peut-être le 4e épisode. Donc là, c'est le 3e épisode. Alors, il me faut des sticks, du bois. Pour le 4e épisode, sur tout simplement la base. Et on fera tout simplement la base avec soit un abonné, soit un youtubeur. Et donc ça, ce sera plutôt pas mal, vous allez voir. J'ai pas mal d'idées. Donc n'hésitez pas à me proposer des idées dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir, bien évidemment. Hop, voilà. Hop, 1, 2. On va continuer de la granite. Hop, parfait. Voilà, on va mettre 64 directement. Ça va aller beaucoup plus vite. Hop, hop, et hop. La granite, on va pouvoir laisser. Non, on va pas pouvoir laisser. On va juste calculer le milieu. Le milieu, c'est ça. Du coup... On fera un pattern, comment on pourrait faire. On va voir juste ça après, on va juste tout simplement d'abord remplir ici avec des blocs. C'était de quoi? Des blocs de d'andésite, voilà, des blocs d'andésite. Par contre il y a beaucoup de granit. Et même ici, ça c'est quoi encore comme bloc? De la diorite, voilà. Hop, on va mettre ça avec du gravier. Et hop, on va faire ces blocs-ci. On va faire vraiment un pattern pour que ce soit assez bien. Et sur les côtés ici, sur les murs, on va encore mettre ce bois-ci. Donc, hop, c'est parti ici. Hop, 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 hop. Pareil pour ici, hop, hop. Voilà, on va déjà faire ça pour le moment. Et voir ce que ça donne. Alors, on va mettre, hop, tous les blocs ici dans des dits. Hop, voilà, pour le moment on en a peu. Parce qu'il faut encore récupérer, voilà. Donc ça, ça donne déjà plutôt bien. Et pareil pour ici, le bois on l'avait mis ici, hop. Pareil, il faudra aller en rechercher ça parce que sinon on en aura vite plus du tout. Ça, ça va être un problème. J'ai plus de hache non plus. Ou alors je l'ai déposé ici dans le coffre. Voilà, la hache aussi est bientôt finie. Hop, voilà. Ça rend plutôt pas mal. Je vais essayer d'en prendre encore hop, un peu dans des hits juste ici. On sait qu'il y a un filon, ici. Donc là, ça sera vraiment très très bien. Si on a besoin de tout simplement chercher de l'andésite, ça fera une petite carrière d'andésite. D'accord, c'est pas très très grave, on va quand même les poser ceux-là. On va retester avec ça. Non, il veut pas du tout. Voilà. Ok, je sais pas pourquoi ça buguait. Mais du coup c'est parfait, on a notre sol, ça c'est bon. Alors, le four et la table de craft, bien sûr on va les enlever. Hop, le four, la table de craft.
Voilà. On va mettre le four, par exemple ici. Voilà. Et pareil pour la table de craft, pour que ce soit déjà un peu plus esthétique. Hop, table de craft. Voilà, comme ça on est déjà plutôt pas mal, moi je trouve. Alors ici, on va faire tout simplement une porte de 3. Voilà, et là ce sera une redirection vers d'autres salles. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Une porte de 3, 1, 2, 3, comme ceci. Voilà. Hop, ça on peut récupérer. Ça fera du bien. Hop. Voilà, ici on va faire le contour de la première porte. Donc ce sera comme ceci, avec du bois. Ici on mettra des blocs, par exemple de la lumière ou des cadres, etc. Hop. Pareil ici. Ici, voilà, ici aussi, et pareil pour ce bloc ici, donc celui-ci on va le modifier, on va monter la colonne ici, hop, on la casse, on fait ça, voilà, c'est plutôt parfait, et bien sûr là on mettra des blocs, je sais pas encore quel bloc on va mettre tout simplement, mais ici on pourra déjà creuser comme ceci vers une autre salle, donc ça on fera par exemple une salle avec tout simplement tous les endroits où les abonnés pourront écrire et rejoindront la faction tout simplement, et ça sera plutôt pas mal, hop, voilà. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal, on va tout simplement vider le bois que j'ai ici, et on va le mettre ici par exemple sur les contours, hop, comme ça sera fait, et on aura déjà quelque chose déjà d'assez propre, ça sera déjà bien, et on pourra faire aussi quelques torches pour un peu éclairer de façon homogène toute la pièce, hop, voilà. On va essayer de mettre ça et de remplir. Hop. Voilà. Là, ça donne déjà quelque chose de bien. Du coup, hop, on va faire des torches avec ce qu'il nous reste. Torche. Voilà. On va la mettre. On va en mettre, par exemple, une ici. Une ici. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et une ici. Pour commencer, du coup, voilà, c'est plutôt pas mal. On va ranger tout ça dans le coffre, par exemple, ici. Voilà. On va vous ranger ça de façon... Hop, comme ceci, et on va se terminer ici pour le troisième épisode. On va juste aller au spawn, tout simplement pour voir ce que ça donne quand on arrive. Du coup, là, on est au spawn, ça c'est tranquille. Il y a pas mal d'abonnés ici, etc. Voilà. Et ensuite, on fait slash home, comme ceci, et on met base 1. Voilà. Et logiquement, voilà, on arrive directement à la base, et ça c'est plutôt parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la faction, n'hésitez pas, donc c'est iPod YTB tout simplement pour YouTube, vous rejoignez cette faction et on sera tout simplement tous ici, on pourra parler sur Discord, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez d'autres vidéos sur cette let's play sur le serveur Life Cube en faction, et moi je vous dis à la prochaine, c'était iPod Gamer 172, allez bye tout le monde, ciao.